Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 225 de Stage 1, et je viens de me taper le doigt sur la table, et nous allons jouer aujourd'hui à Chicken Run sur PlayStation. Donc on est parti, Chicken Run, qui est un jeu, je ne sais absolument pas de quel genre c'est. Alors de souvenir, il me semblait que c'était un jeu d'infiltration d'action. Donc on va incarner les poules de Chicken Run, comme vous allez voir. Alors c'est parti pour le jeu. Ça c'est encore un crédit, il me semble. Eh oui. Hardman. D'accord. Alors, choisissons la langue. Alors, je vais choisir le français, puisque c'est la langue dans laquelle je m'exprime dans mes vidéos, évidemment. On va pas choisir l'italiano. D'ailleurs, j'ai croisé de très jolies italiennes aujourd'hui à mon école, j'ai envie de dire. Oui, d'ailleurs, j'aurais essayé de leur parler français au début, parce que je savais pas que c'était des italiennes. Et je vous raconte ma vie. Donc, c'est parti, Chicken Run, lancez la partie. Oh, mon petit overlay de Playclaw, toujours. Sur les jeux PlayStation 1, c'est toujours magique de le voir apparaître. Allez, commencez. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ajuster l'écran, configurer la manette, le son, les médailles, le son. Allez, je vais me gourer tous. Meilleur temps. Charger sauvegarde, choix du niveau. Crédit. Putain, il y en a des menus, j'arrive pas à voir la fin. Choisir, cinématique. Commencer la partie, c'est ce qu'on va faire. Alors, j'édite cette vidéo car pour des raisons de copyright, j'ai essayé de l'uploader sur YouTube une première fois et on m'a carrément bloqué la vidéo avant même qu'elle sorte en me disant qu'elle était la propriété de Pathé. Et donc en fait, ce qu'on allait voir, c'était la cinématique, qui est en fait pas vraiment une cinématique, c'est un passage du film Chicken Run. Et automatiquement, ça m'a bloqué le droit de publier cette vidéo. C'était bloqué dans le monde entier. Donc j'ai dû la supprimer. Bon, après un jour d'upload. Donc c'est super. Merci YouTube. Merci la protection en carton et merci surtout les développeurs qui sont pas capables de développer une cinématique sans piquer des morceaux du film. Donc là, c'était carrément un morceau du film, la seule cinématique du jeu. C'est dommage. Donc voilà, là on va reprendre le jeu. En fait, j'enregistre sur la durée de cinématique. J'ai pas envie de décaler tous les découpages. Donc voilà. Allez, ça va reprendre dans quelques secondes. C'est parti, on reprend maintenant. Salut Macbeth. Il faut absolument qu'on file d'ici. J'ai une nouvelle idée. D'accord, Ginger, je t'écoute. J'ai remarqué que certaines parties de la clôture sont rouillées. Je me demande si on ne pourrait pas les couper. Hé, c'est une idée! On pourrait utiliser le vieux couteau à beurre de l'une des baraques! Et je suis sûre qu'un sécateur cassette traîne quelque part! Je pense que si tu me trouves tout ça, je pourrais fabriquer une pince suffisamment coupante pour couper ces fils rouillés! Bonne idée, Macbeth. Je vais chercher tout ça. Oh, mais je devrais faire attention aux chiens! Et nous voici en plein gameplay de Chicken Run où nous incarnons les poules vues du dessus. Alors on a un inventaire où c'est qu'on n'y a rien du tout. On peut sauter, des doubles sauts. Je regarde les touches un peu, les touches d'action. Mais pour l'instant, il n'y a rien à actionner. Mon overlay. Donc on sort de cette baraque et le but premier du jeu, en fait, c'est de se barrer. Donc comme en fait le film d'animation, c'est de se barrer de cet enclos. Alors là il y a le chien qui nous repère, vous voyez dans le petit radar en bas. Bon bah pour l'instant il nous a pas trop repéré, même si ça sentait un peu le fionfion et on l'avait dans le viseur. Alors oh putain l'enfoiré il est là. L'enfoiré, ah, casse-toi. Oh, il est peut-être un peu con ce chien quand même, parce que je pense qu'il m'avait vu. D'ailleurs ouais bah ouais. Ça sonne quand on est repéré. Non? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça a fait bip bip bip. Je ne sais pas pourquoi. Alors, le but, je crois qu'il faut que je récupère des... donc, comme a dit ma collègue, là, il faut que je récupère des trucs. Comme ce genre de truc. Ah, putain, l'enfoiré de chien. Il me court après cette fois-ci. Donc, le petit bip, c'est bien quand le chien me repère. Bon, il m'a déjà perdu. Allez, casse-toi. Voilà, il faut que je retourne en fait voir la petite hachette là, la petite lame qu'il y a au sol. Donc en fait ça sonne aussi quand je m'approche des objets que j'aimerais bien le prendre.
Voilà. Alors, il faut que je coupe le grillage. Il me faut sécateur cassé. Je crois qu'il me faut un deuxième instrument. Parce qu'il faut que j'en construise un autre. Oui, il manque la moitié de la lame, en fait, pour couper le grillage. J'en ai un morceau. Mais... ouais. Non, je vais pas pouvoir l'utiliser, normalement. Donc, il doit y avoir autre chose quelque part. Je ne sais où. Si c'est pas dehors, c'est peut-être dans les cabanes. On va essayer de rentrer dans les cabanes. Mais je crois bien que c'est la cabane d'où je viens. Ouais, donc tu ça ne sert à rien. De ça ici, ma bête. Tu vas avoir besoin de ça ici ? Désolé, non, désolé, je ne sais pas à quoi ça sert. À quoi ça sert ? Ah non, c'est pas d'où je viens. C'est de demander à Macbeth. Demander à madame McBee, madame. À McBee qui est à l'enclos numéro 17. Donc là, je suis dans l'enclos numéro 16, comme on voit sur le radar. Donc, on va sortir et trouver le 17. Ça doit être marqué, c'est même marqué sur le toit pour vous dire. Peut-être pour les avions. Peut-être. Bon, c'est pour nous, on le sait bien, mais logiquement, c'est un peu con. De mettre sur le toit de l'enclos. Ah, un morceau, là. C'est quoi, ça? D'accord, c'est un morceau de carte. Je crois pas que ça va m'aider à couper du barbelé. Donc, 17, on va essayer de rentrer dedans. Voilà, si je peux. Ouais. J'ai le sécateur cassé, mais ces chiens sont dangereux. J'ai le sécateur cassé. Oh, ça, je le sais bien. Mais ces chiens sont dangereux. Tu es plus courageuse que moi. Tu es plus courageuse que moi. Il ne reste plus qu'à trouver ce vieux couteau à beurre. Il ne reste qu'à trouver le vieux couteau à beurre. Regarde où tu mets les pieds. Regarde où tu mets les pieds, sois prudente. D'accord. Donc, ça, c'est là d'où je viens, en fait. Donc, en fait, on est d'accord. C'est ma collègue un peu intello. Oh, putain, j'atterris où c'est qu'il y a le chien juste à côté de moi. Donc, enclos 16. On va aller dans l'enclos numéro 2. J'arrive pas à rentrer dedans, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cet enclos? Ouh, de la musique. Extra frais. Récupérer autant de que possible. Appuyer sur rond pour nourrir les poules. Ouais, d'accord. Ok, donc ouais, on me lâche dans le jeu là, vas-y. Est-ce que j'appuie sur toutes les... Ah oui, voilà. Je sais pas. Je nourris les poules. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, donc je... Ouais, je nourris la poule, toujours. Génial. Et c'est quand qu'elles font des œufs, les poules? Parce que, bon... Le but, c'est quand même de récupérer des œufs. Ah, un œuf! Un œuf qui arrive, attention. Hop, je suis en dessous, vous avez un œuf. Ouais. Ouais, m'en faut 5, quand même. Temps écoulé. Un escadron. Travailler en équipe. Alors... Ouais, je vais rejouer le niveau parce que du coup j'ai perdu comme une merde. Donc il faut se dépêcher et donner à fond de la bouffe aux poules. Allez, mange. Oh, il y a deux œufs qui sortent, attention. Donc, il y en a un qui arrive par ici. Il y a un qui arrive par ici. Voilà. Donc j'en ai eu deux, il m'en manque trois et il me reste moins de la moitié du temps. Ah, il faut peut-être mieux que je me concentre. Ah, je l'ai raté. Ah non, je l'ai eu. Je sais plus, oh, putain, je suis perdu dans ce jeu. Non, je l'ai eu. Ça va pas suffire, il m'en faut encore un autre et le temps est écoulé. Et l'œuf, il s'est éclaté par terre d'ailleurs. Votre attention, un escadron doit apprendre à travailler en équipe. Oui, non, mais ça, j'ai compris. Allez, on va se le refaire une dernière fois. Je sais même pas à quoi ça sert, aussi bien c'est pour ma mission, aussi bien ça ne sert à rien. Donc elle a fait deux œufs. Pas en même temps d'ailleurs. Un tout petit peu décalé. Hop, j'en ai un. J'en ai deux. Et j'en ai trois. Voilà. Il m'en manque plus que deux, il me reste la moitié du temps, c'est bon. Il y a même moyen d'en faire beaucoup plus que ça. Hop, un, encore un œuf. Hop là, vous avez un œuf. Allez, on va essayer d'en refaire d'autres. Descends, vite tes œufs. Oui, je vais. Oh non, je l'ai raté. J'ai encore échoué. Votre attention. Je suis vraiment une énorme merde. J'arrive même pas à faire des œufs. Allez, je ne m'avoue pas vaincu. Enfin, un petit peu quoi. Donc, on va continuer. En espérant que ce soit pas ça qu'il faut que je fasse. On va aller dans le dernier enclos, puis on reviendra dans l'autre si jamais... Là, c'est incroyable, j'arrivais pas à finir le niveau.
plus, je disais ouais et tout, j'en ai largement assez, en fait, pas du tout. Et en fait, je viens de quitter la partie en revenant dans l'enclos. Donc, je vais reprendre la partie. Voilà. Et donc, voilà. Donc, je pense que je suis obligé de récupérer le truc dans l'enclos des poules. Par contre, bon, il y a le chien. Ouf, ouf, ouf. J'aimerais bien me barrer quand même. C'est pas que ça me fait plaisir d'être ici, mais pas trop, quoi. Hop. Oh, et en plus, il me repère à 10 km. Mais pourquoi il est tout le temps là? Alors, forêt. Forêt, tiens, ah bah ça va. Je me suis dit, j'arrive pas à le courser aussi bien, il va m'avoir. Alors là, j'ai récupéré une sorte de... des munitions, d'accord. D'accord, donc je peux jeter des munitions sur le chien, par exemple. Je sais pas comment faire, mais... je vais pas tenter le diable. Voilà. Allez. Donc, je ne sais toujours pas. Voilà, j'ai récupéré des choux. En fait, je savais pas que je pouvais les récupérer, mais maintenant je le sais. Sauf qu'au final, j'ai toujours pas fait ma mission quand même. J'ai toujours pas fini cette satanée mission. Alors. Je me fais encore repérer. Pourquoi c'est rouge? Il n'y a personne autour de moi. D'accord. Ça grogne et tout, comme s'il y avait le chien alors qu'il n'était pas là. Eh, bizarrement, il est là maintenant. Eh, il me repère de plus en plus. Hein. Il me repère de plus en plus loin, même en me voyant pas dans son viseur. Ou alors c'est un bug, j'en sais rien. Il me repère assez rapidement. Et il est encore là. Ah, voilà, je suis rentré dans le 16. Ah, mais il était là, le morceau de couteau. Donc, voilà, on va pouvoir retourner la carte, je m'en fous. On va pouvoir retourner à l'autre enclos et pouvoir de rassembler les deux. Alors, où c'est qu'il est? On va retourner au... pas au 17, si, je sais plus. Je sais plus si c'est le 17. Oui. Oui, c'est le 17. J'ai réussi à éviter les chiens. Voilà, j'ai réussi à éviter les chiens et à trouver l'autre lame dont tu avais besoin. Oh, génial, bon, je l'ai trouvé un peu par hasard quand même. Maintenant, j'utilise le cacher. Voilà. C'est sur le bouton que j'ai trouvé 90 degrés juste à jeter le serrage. Voilà. D'accord, donc elle fait des trucs, mais en fait elle fait rien. Elle est belle. Elle est belle, j'espère qu'elle sera assez solide. Souviens-toi. Oui, on s'en fout un peu qu'elle soit belle. Sur les fils rouillés de la clôture. Voilà, donc on va pouvoir se barrer en coupant la clôture. Merci, Macbeth. T'inquiète pas. Maintenant, je vais devoir traverser la clôture pour récupérer le matériel pour notre prochaine tentative d'évasion. Donc elle essaye de s'évader pour récupérer du matériel pour s'évader. Et si nous pouvions nous déguiser, les chiens. Moi, j'aurais coupé la clôture et je me serais barré par un côté qui me permet de me barrer. Nous déguiser en Madame Tweedy. Parce que si elle arrive à passer par la clôture, c'est-à-dire que tout le monde peut passer par la clôture. Une fois que t'as passé la clôture, tu te barres. Je comprends pas pourquoi elle veut chercher du matériel qui va lui permettre de se barrer. Alors qu'elle peut très bien couper la clôture. C'est ce qu'elle va faire d'ailleurs. La longue robe de Madame Prudy. Elle prépare un plan maléfique. Si j'étais toi, j'irais voir derrière la ferme. Et ben on va aller voir derrière la ferme. Je vais trouver tout ça. Babette va nous. Je veux dire, nique la logique quoi. T'es derrière la ferme, c'est que t'as plus dans l'enclos. Surtout si t'as coupé le barbelé. D'accord. Enfin, le grillage. J'amènerai tout là-bas. Occupe-toi de lui expliquer le plan. Ou bien qu'il faille... D'ailleurs, dans ce poulailler, il n'y a pas grand monde au final. Hein. Allez, on va s'arrêter là. Ce sera tout pour Chicken Run sur PlayStation. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.